Coucou tout le monde, c'est Nathan. Je vous retrouve aujourd'hui sur Layers of Fear pour une seconde session. Je pense qu'on va terminer le jeu durant cette session, parce qu'on a fait quand même, je pense, bien la moitié du truc là. On a même récupéré encore un objet qui est pas là-dedans, là, les cheveux. Je suis un petit peu en vrac aujourd'hui, je me suis couché super tard et j'ai pas beaucoup dormi, donc je vais faire cette session un peu en mode légume. M'en veuillez pas si je reste, si je suis pas totalement concentré. Ça reste de l'ordre du possible, on va dire. Il y avait quelques petites choses que j'avais passées sous silence, et dont je me suis rendu compte en regardant les vidéos après. C'est que c'est tout un petit peu, il y a le backstory de ce jeu-là. Il y avait deux, trois trucs dont j'ai pas parlé du tout, notamment, je pense, comment dire, dans la chambre d'enfant, là, quand je tournais sur le manège et qu'il se passait des trucs. Il y avait une espèce de petite frise qui évoluait vers la fin avec des dessins, où on voyait notamment la famille heureuse, donc c'est-à-dire le type qu'on contrôle, sa femme et leur fille. Du coup, ensuite, on avait la femme en fauteuil roulant, avec le gars qui commence à s'énerver un petit peu. Puis, dans la dernière image, la nana dans son fauteuil roulant était plus du tout là. Il y avait plus que le gars qui était complètement énervé et la petite fille qui pleurait. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé. En fait, je pensais qu'il y avait que le gars qui avait eu un accident avec sa jambe de bois. Mais au final, sa femme aurait eu un accident aussi également et aurait fini en fauteuil roulant. Et en plus qu'il l'ait tué. Enfin, je sais pas trop. Il y a l'air d'y avoir un petit truc que j'avais pas capté avant. C'est quoi ça? Je l'avais déjà lu, oui. Et il y avait aussi également le fait qu'il trompait sa femme. Pareil, j'en ai pas fait part non plus, mais à un moment on récupère un parfum avec sa femme qui parle et qui dit que son mari final pensait avait Dieu que pour elle, en parlant de quelqu'un d'autre. Alors je sais pas s'il parlait, enfin si elle parlait effectivement d'une autre femme, ou si c'était une métaphore pour dire qu'il pensait plus à l'art, c'est-à-dire à son travail, qu'à sa femme, qu'à sa famille au final. Allez hop, voyons ce qu'il y a de l'autre côté de ce tableau. Enfin, de l'autre côté, c'est une façon de parler. Ah, c'est de pire en pire, là, pour le coup, là, je me plante pas au niveau de l'interprétation. C'est clairement un visage. C'est vraiment glauque, hein. Ok, bon, allez, on ressort. Sur quoi on va tomber cette fois-ci? La musique a changé, hein. Oh bordel, ça sent pas bon. Oh putain, ça sent pas bon du tout, ça. Ouais, ça change vraiment tout, hein. Ça s'est fermé. C'est moi qui fais ce bruit là, putain. Ça change un petit peu trop à mon goût là. Qu'est-ce qui se passe? Going in circle, on l'a déjà vu ça. Il y a rien là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce bourzouf? Ok, allez. Bien. La porte s'est déjà refermée. Il y a bien un fantôme qui va nous sauter à la gueule dans pas longtemps, je sens. Lumière. Facile à oublier, bourré, délirant. Avec un tableau. Te plante pas cette fois. Je me suis fait une nuit film d'horreur d'ailleurs la nuit dernière, hein, donc. Je suis dans le mood, on va dire. Je me suis rematé The Conjuring pour la seconde fois. Je me suis bien chié dessus.
Moins que la première fois, cela dit, mais... Restless Memories, encore une fois. On est ressorti. Il y avait quelqu'un sur cette chaise. J'ai l'impression que le fantôme laisse des... Soit des espèces de traces gluantes, toutes noires, soit des traces de peinture. Je pense que c'est lié à quelque chose, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, j'aime pas ça. What's there? Ok, je peux aller partout. On va commencer par là. Make up your mind. Une lumière grésillante encore de l'autre côté. On était déjà venu là, le globe, ça me dit quelque chose. Ou alors c'est une autre pièce. Alors attendez, il y a des trucs là. Hein? Mais c'est... C'est une autre pièce ça encore? J'avais pas vu. Domino. Et... Ah, une note. 17 juin. C'est reparti avec cette histoire de rat. Je ne crois pas en avoir vu un seul, mais il pose quand même des pièges partout dans sa maison. Il dit qu'il les entend dans les murs et qu'ils sont des centaines. Mon Dieu, j'espère que c'est vrai. J'espère qu'ils vont ramper jusqu'à toi et te bouffer dans ton sommeil. Toi, cruel, narcissique, pathétique, ivrogne. Qui c'est qui a écrit ça? Alors, par où je vais? Là, je peux pas y aller déjà. Il reviendra, je pense, très bientôt. Putain, ça sent pas bon là, cette... J'y vais ou pas? J'ai pas vraiment le choix. Ça... Ah ouais, ça fait encore très pitié tout ça, putain. Allez, 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 allez. Ça c'est fait. Depuis le début du jeu, je me prépare à cette scène-là. C'est marrant, j'ai une espèce de... Maintenant c'est parti, non? Je sais pas, j'ai une espèce de filtre sur les coins de l'écran. J'ai une clé. Chose par ici, ok. Par là. Ah. Suivez les rats, j'imagine. Et montre la voie presque. Oula, je vais me recevoir plein la gueule, je pense. À droite? Non, ça sent pas bon, là. Je vais passer à travers le plancher, je pense. Non? Ok, je pensais. Je sais pas où on va, mais on y va. Qu'est-ce que j'ai des blocs, là? Où est-ce que je vais, bordel à cul?
What? J'ai l'impression d'être dans un grenier. J'allais dire ça va, le rat il se fait pas chier, mais là c'est... Ouais, d'accord, quand je vais revenir ça aura changé. Cat dog rat. Quatre. J'ai envie de le noter, ça, excusez-moi deux petites secondes. Juste que je trouve un papier là. J'ai envie de noter ça au cas où, je sais pas pourquoi, j'imagine que ça va pas servir à grand chose, mais on sait jamais. Quoique, attendez, mais non, c'est complètement con ce que je dis. Parce qu'il y a plein de trucs qui partent dans tous les sens là. Non, ça sert à rien en fait. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Il me semble qu'ils avaient un chien d'ailleurs, non? Ah ok, d'accord, non, j'ai rien dit. Bon. Il y a effectivement bien quelque chose à faire. Le truc, c'est qu'il y a des... ça part dans tous les sens là. Cat dog rat. Ça... Le dog il est en bleu donc c'est un 7, j'imagine. Cat ça peut être qu'un 2 ou un 6. Et un 9, donc ça fait soit 2, 7, 9, soit 6, 7, 9. Je pense, hein. Non, c'est pas ça, ok. Ok. Mais je sais pas trop là en fait, c'est. Pourtant il y a bien des couleurs, donc pour moi ça me paraît obvious quoi, on va dire. 2, 7, 9, 6, 7, 9. Dans quel ordre ça peut bien être? Je sais pas trop. Ah! Quoi? 2, 5, 9? Attendez, complètement au pif là. C'était quoi le truc? 2, 5, 9? Pourquoi 5? Ah, c'est dog en fait, c'est tout dog. D'accord, tout va à dog. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un chien, ouais, mais. Ok. Oui, mais faut que je. Peut-être que j'enlève le loquet, hop. Avec ces distorsions de l'image et ces poutres qui tombent, on se croirait presque dans Amnesia. Et plus de lumière d'un coup. En juger le silence dans toute la maison, je pense qu'il s'est enfin endormi, sans doute entouré de bouteilles vides et de lambeaux de toile, ses compagnons de couche préférés. Chaque fois que cela arrive, je prie pour que ce soit la dernière, je prie avec ferveur, avec passion. Seigneur qui êtes aux cieux, faites qu'il s'ouvre le crâne et que la pourriture en sorte. Faites qu'il s'ouvre les veines sur le ver et que la bile rouge en coule. Faites qu'il s'étouffe dans son vomi, qu'on puisse enfin trouver la paix. Car sinon je vais finir par trouver le courage de descendre les escaliers et le faire moi-même. Vous savez mieux que quiconque que ce n'est pas l'envie qui manque. Amen. Je peux plus avancer quasiment.
Ben me voilà ici. Salut, désolé pour ce long silence, mais j'ai eu beaucoup de travail. Je dois dire que ta dernière lettre était troublante. Je n'en reviens pas qu'elle puisse mettre le feu à tes vieilles peintures. Pourquoi faire? Surtout, la femme en noir, c'était ton hommage à elle, non? Je ne sais pas quoi te dire, sauf que tu devrais lui trouver une aide professionnelle et vite. Et pour toi aussi, avec tout ce qui vient d'arriver, cela te ferait du bien de parler. Inutile de préciser que l'acheteur était vraiment déçu par la nouvelle. Tes nouvelles pièces ne se vendent pas aussi bien que les classiques. Bref, je vais continuer de chercher. Tiens bon et reste concentré sur ton travail. Je sais que tu peux y arriver, je crois en toi. Ton ami et agent, Thomas Caldwell. Pas moi. Qu'est-ce qui se passe là sur la peinture, attendez. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. What? Ah, c'est génial ça! What the fuck? Ok, bon. On est revenu à cette pièce encore où c'est tout bloqué. Ok. Rien de bien intéressant, j'ai l'impression, par ici. Ah putain. Cela en vaut-il la peine? Stop les jumpscares dégueulasses là, c'est super relou. What? Cela arrive que certains artistes soient les précurseurs, et deviennent donc incompréhensibles pour les critiques contemporains. Mais je ne pense pas que ce soit le cas ici. Cela fait de la peine à dire, mais n'a pas progressé. J'irais jusqu'à dire qu'on assiste à une régression artistique. Va te faire foutre. Hey there, princess. What? Oh. This is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that! Oh God. I'm so... Wait.
I'm sorry. I'm sorry.